Oh! Mais c'était obligé! Salut tout le monde, c'est Zidarka. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare remasterisé pour mon déblocage du Dark Matter sur ce jeu. Donc, je ne sais pas encore comment il s'appelle, je crois un truc exotique ou un truc du genre. Et voilà, je suis actuellement prestige 10, niveau 55. Là, je suis déjà prêt à passer prestige 11, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais au final, comme tout le prestige, j'ai joué au sniper et je n'ai pas joué avec la M14, et ben du coup, il me manquait les défis. Donc, au lieu de passer un prestige et de devoir la redébloquer et les accessoires et tout, et ben je préfère ne pas passer prestige et au moins finir cette arme qui est, je vais pas dire la plus compliquée, mais c'est celle en tout cas avec laquelle j'avais le plus de flemme à la faire. Elle est pas si dégueu que ça en fait, mais c'est un style de jeu assez particulier. Genre en fait, il faut prendre vraiment de la distance. Alors que moi en fait, eh ben, j'ai l'habitude de rush, on va dire, avec le sniper surtout. En fait, je joue au snipe que M43, Barrett, et je rush, je peux pas, enfin, c'est pas trop mon style de jeu en fait. Alors qu'avant, ça l'était, sur Black Ops 1. Ouh, mastodonte, sur Black Ops 1 et tout, ça y était. Oh merde, oh là là, j'ai louché, mais complètement. Après, quand je vais débloquer le camo, il me manque 4 kills, je crois. Et ben, je pense que je vais faire une game ou quoi, ou un passage de game au sniper. Oh my gosh, j'ai pas eu le temps de tirer. Avec, je sais pas, soit la M43 ou le Barrett, enfin un snipe. Mais les deux armes avec lesquelles je joue le plus. Je vais prendre ton truc. Et au moins, vous allez pouvoir voir le camouflage que c'est. Franchement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui l'ont. Oh là là, la lead marker. Par contre, en hardcore, la M14 c'est l'une des meilleures armes. Après, franchement, sur ce jeu, le hardcore il est pas si bien que ça, je trouve. En fait, c'est trop. Les mecs limite ils jouent en RP, c'est-à-dire en roleplay. Donc ils jouent vraiment leur vie. Voilà, pour moi, l'hardcore, tout le monde joue sa vie. Tout le monde est en train de camper dans les bâtiments et tout. Et ça, c'est horrible. Surtout que bon. Après, j'ai pas fait beaucoup de games, mais la plupart du temps c'était sur bloc, des grosses maps. À distance, mais franchement j'ai pas du tout kiffé. Putain, il me manque que 2 kills, j'arrive pas à les faire. 3 kills. Oh, j'aurais pas le temps. Oh, il va me manquer plus qu'un kill. Oh my god. Non, c'est une putain de blague. C'est mort. Il manquera pas plus qu'un kill. Ça, c'est impossible. Non, 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 non. Attends, plus que 10 kills, il faut que je fasse au moins 1 kill. Normalement, je le fais quand même. Oh là là, il faut absolument que je fasse au moins 1 kill sur les 10 derniers. Oh my god, les alliés. Voilà. Est-ce que je l'ai? Non, toujours pas. En plus, tout à l'heure. En fait, là, là où j'étais bloqué, c'est parce que je dois faire des kills avec le viseur laser. Et moi, oh là là, headshot à la fin. Toujours pas. Mais il me manque combien de kills à faire? Ah, moi que j'ai fait des kills à l'arme ou au snipe. Bah oui, c'est ce que j'ai fait, quel con. Oh là là, le turn. Oh là là, le turn à la fin, il aurait été magnifique. Pour le déblocage du machin, je sais pas quoi, comment il s'appelle. Mais c'est moi le dernier, mais non. A tous les coups, il va me rester un seul kill. Je vais péter un plomb. De relancer une game pour faire un kill. Oh là là là. Ah mais je peux faire un... Attends. Oh. Mais c'était obligé. C'était obligé. Oh là là, mais c'était obligé qu'il allait me faire ça. Oh putain. Là en fait, je débloque... je fais un kill. Juste un kill sur les 30 000 que j'ai dû faire sur le jeu. Je débloque le camouflage et camouflage or. Et du coup, j'ai le camouflage caché qui est tout en bas. C'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. C'est... Bon, vas-y. En fait, je vais lancer une game, je fais un kill, je quitte quoi. Parce que franchement... Regardez, regardez, regardez. Faites 150 000 avec cette arme. Débloquer tous les camouflages or. Non,
Débloquer l'or, voilà, surtout les fusils d'assaut. Oh là là, débloquer le camouflage royaux. Royaux, ok, il s'appelle royaux. Voilà, donc là, voilà, j'ai enfin. Attention, ah, il est là. Oh, zone d'exclusion, ok. Oh, il est vraiment stylé, il a une texture dessus. Un peu de la pierre. Putain, comment ça s'appelle? Bon, je laisse tomber. Et récupérer dans une cache d'armes au cœur de la zone d'exclusion près du réacteur de Tchernobyl. Ah bah pas bête. Franchement pas bête d'avoir fait ça par rapport à ça. Et franchement voilà, enfin, je suis trop heureux. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais d'avoir. Regardez-moi qu'est-ce qu'il est beau. Putain, c'est incroyable. Par contre, alors là, pas là-dessus et pas là-dessus. Je sais pas si je vais le laisser sur le snipe normal. Celui-là aussi il peut être beau quand même. Je vais le laisser comme ça. Le kit sur le barrette, j'ai jamais vu encore. Oh, c'est celui-là. Ah, ok. Bah, je vais le mettre. J'ai jamais joué avec ce kit. On va voir comment il est. S'il change beaucoup du sniper d'origine ou pas. Oh, les petits guns et tout. Oh là, ça fait plaisir. Attendez, je vais le mettre sur Desert Eagle. Oh, là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, tac. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi cette beauté. Et on va passer prestige, donc. Let's go. Voilà, et là j'ai débloqué des jetons, mais je m'en fous en fait. J'ai deux jetons, ok. Créer classe. Mais. Je suis trop intelligent. En fait, je mets des camouflages et tout sur mes classes. Trop heureux d'avoir mon truc. Je suis en train de faire mes classes, mais au final, je passe prestige. C'est vraiment génial. Oh, vraiment stylé. Il y a un peu de... Oh, je sais pas comment appeler ça. On va dire la diffusion. Et franchement, par contre, je suis vraiment pas fan du kit. Parce que l'arme, elle est complètement différente. Et en fait, c'est comme si je jouais avec un sniper avec lequel j'ai jamais joué. Du coup, c'est... Voilà. Pas trop mon kiff. La lunette, elle est différente. Putain, mais ils campent tous là-bas. Oh oui, c'est vrai, le piton. Oh là, regardez comment compte ce skill. Oh là là. Magnifique. Ok, donc moi, ok, j'arrive à la mi-temps. Et ouais, franchement, bon délire. Et ça, ils ont bien fait de le rajouter sur MWR. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là en fait j'ai mis un hitmarker. Bon déjà ça m'a démonté ma... En fait ça... Tu t'attends pas à prendre un hitmarker... Un mec en baroud. Donc d'un côté en fait ça te détruit ton move. On va dire. Tu commences à enchaîner et après bah, t'es perdu. Tu dis merde. Tu vois un mec qui tombe au sol mais en fait c'est pas... Il est pas mort. A qui le tour les potes, à qui le tour. Attends, en fait là j'ai fait un gros enchaînement. En fait j'ai mis, enfin le mec, je crois que je vais lui faire arrêter Call of. Je mets un turn mais je crois que je me prends ça, j'arrête Call of. Bombardement. J'ai raté deux clips là, ça veut dire déjà. Putain mais c'est incroyable les grenades. Ah ok, en fait ils spawnent, ils envoient des greux. Oh j'en ai marre. J'ai raté encore un clip, non mais j'en ai marre, c'est bon, j'en ai trop marre. J'ai même pas un bombardement tellement que j'ai un rush kit. On avait un mec, il avait masto, l'autre il avait baroud d'honneur. J'aurais pu mettre la triple en une balle, je pense. C'est le mec, il fait des lives, à tous les lives il tape des triples en une balle, au calme.
Parce que bah ouais, mon passage au prestige, j'avais fait pareil. Enfin, j'avais mis une triple en balle, quoi. What, je suis mort comment? Ça m'a dit par une AK-47, mais j'ai vu mon cadavre s'envoler. Comme jamais. Non mais j'en ai marre, regardez ce nombre de clics que je rate. En fait cette vidéo, ouais, ça aurait été un peu une vidéo fail en fait. Genre, j'étais à 1 kill de débloquer mon Dark Matter et au final je l'avais pas eu sur le... Oh le mec, oh, en plus je me fais voler mon hélicoptère, enfin j'ai pas pu le mettre. Genre, alors déjà la M14, il manquait 1 kill pour l'avoir en Dark Matter, toutes les armes, et ben j'ai dû refaire une autre partie. Un seul kill. Là, je me fais voler mes hélicos et j'ai raté je ne sais pas combien de clips. Mais voilà, en tout cas, la vidéo, là, c'est vraiment du fail, que du fail. En plus, j'étais resté prestige 10 et tout, enfin, n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir ce magnifique camouflage. Même si les dernières parties que j'ai fait étaient vraiment chelou. En tout cas, voilà, bon délire, ce camouflage. C'est pas difficile à avoir. Après moi, franchement, j'ai mis quand même 10 prestiges, mais c'est parce que je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup au snipe. Après, si vous, vous tryhardez pour les avoir, je pense que vous pourrez facilement débloquer ce petit camouflage assez cool. En tout cas, voilà, si cette vidéo un peu fail vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera super plaisir de votre part. Et donc, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde. Bye.